Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble un nouveau nombre avec plaisir. D'abord, je vais faire une petite révision avant de commencer par la fiche. Regardez les enfants, combien de cubes y a-t-il? Comptez avec moi s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, il y a 10 cubes. Maintenant, groupez avec moi ces 10 cubes en une colonne des cubes. Cette colonne s'appelle une douzaine. Toujours dans une douzaine, il y a 10 cubes. Pour cela, un cube est égal à 1 unité. 2 cubes est égal à 2 unités. 3 cubes est égal à 3 unités. Et une dizaine est égale à 10 unités. Allez, on va commencer par le numéro 1. Lisez avec moi la question, s'il vous plaît. J'observe et je complète. Regardez les élèves, combien de dizaines y a-t-il? Comptez avec moi, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, il y a 7 dizaines. Et j'écris ici 7. Et combien d'unités y a-t-il? Bravo, il n'y a pas de cube. Alors, l'unité est 0. Et j'écris ici l'unité 0. Alors, mes élèves, 7 dizaines et 0 unités nous donnent 70. Regardez comment j'écris 70. Dix. Répétez avec moi. 70. Faites attention au tiré. N'oubliez pas le tiré entre 60 et 10. Et ici, combien de dizaines y a-t-il? Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a aussi 7 dizaines. J'écris ici 7. Et combien d'unités y a-t-il? Il y a un seul cube. Alors, l'unité est 1. Et j'écris dans le tableau 1. Alors, 7 dizaines et 1 unité, ça fait 71. Faites attention, je dis 71 et pas 61. Regardez comment j'écris 71. 71. Et je n'oublie pas le tiré. Répétez avec moi. 71. Voilà, combien de dizaines y a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a 7 dizaines. Et j'écris dans le tableau 7. Et combien d'unités y a-t-il? On va compter les cubes. 1, 2. Il y a 2 unités. Et j'écris dans le tableau 2. Alors, 7 dizaines et 2 unités nous donnent 72 et pas 62. Regardez comment j'écris 72. 72 et je n'oublie pas le tiré. Merci pour votre attention. À bientôt.